le stage, les volées, les demi-volées et jeux de tête. On va commencer par un bonjour, on se tourne vers moi, là, hop, 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 je suis ici, là, regarde, là, bonjour. Bonjour. Comme d'habitude, c'est pas une bonne prise, on en fait une deuxième, bonjour. Bonjour. Cette prise est toujours là. Meilleur. Enfin, pas toujours. Bien, alors aujourd'hui, 16e stage vacances football, 3e jour, promotion France. Merci pour lui, alors. Aujourd'hui, le thème du jour, volée, demi-volée, jeu de tête. Je me place, je rentre bien mon ballon, j'avance vite, hop, lance, je me place, fais des petits pas de remplacement, tu envoies, hop, bien, voilà. Volé, plat du pied, voilà, et le pied, ouais, bien, bien.
Tac, de l'arrière à l'ensive. Pas mal. Volée. We'll be right back.
Je rappelle, allez, vous gênez pas, il y a des appuis sur les côtés. Il y a des appuis sur les côtés. Como lo sabe lo bien el chiqui. Dale. Applaudissements pour Franz Beckenbauer, grand joueur, allemand, magnifique joueur. Il méritait qu'on lui rende hommage. Maxence, ok, allez, on change de groupe. Ce qu'il a trouvé en premier, ce qu'il a trouvé, c'est bon, bien joué. Tu dis B ? Eh bien, t'as mieux, comme ça, ça ira plus vite. Un point. Bien, aujourd'hui, donc, on commence par le gaélique. 10 premières minutes, les plus jeunes, c'est vous, les 7-8 ans, qui devez marquer. Un but au-dessus de la transversale. 3 points si on marque en dessous, d'accord, avec un gardien. On peut marquer façon football classique, soit façon gaélique. Ok ? Bien, pour l'autre match tout à l'heure, donc, 3 défenseurs, je veux vraiment un défenseur central, un qui fait le milieu entre, qui fait la jonction entre derrière et devant, une pointe. Celui qui est à la pointe, je ne veux pas qu'il redescende. Il joue très haut, tout le temps. L'avant-centre ici, là, celui qui joue très haut, je veux vraiment qu'il soit tout le temps devant. Qu'il se fasse prendre par le hors-jeu qui compte à partir des 13 mètres ici. D'accord ? Donc, 10 premières minutes, toujours les plus jeunes, à l'offensive, parce que c'est vous qui devez marquer, les plus jeunes. Et après, pour le deuxième match, c'est bien sûr tout le monde. Okay ? Et le troisième ? Bon, évitez de trop porter le ballon, libérez plus vite.
Je mets des consignes pour les plus grands. Si à 5 secondes n'est pas libéré de ballon, coup franc, pas l'adversaire. Pourquoi je fais ça? C'est pour favoriser la vitesse du jeu. Sinon, si vous portez trop le ballon, ça va encombrer comme d'habitude, surtout dans la zone du milieu. Alors qu'il faut jouer, je l'ai dit, j'arrête pas de le redire. Écartez le jeu. Et n'hésitez pas à jouer en soutien. Ça fait 10 fois, 15 fois, 20 fois que je l'ai dit depuis le début du stage. Faites tourner le ballon quand vous êtes bloqué dans le jeu derrière. Regardez, levez les yeux, là, vous êtes tout le temps, trop souvent, à regarder le ballon, sans regarder ce qui se passe autour. J'ai le ballon, très vite, je regarde ce qui se passe autour. Je prends l'information, bon là c'est bloqué, j'ai pas de solution, on va derrière. Il faut toujours une solution derrière. J'y sais. Toujours une solution. Pour la 150e fois, quand on est bloqué devant, on fait tourner le ballon derrière. J'ai beau le dire, et le répéter, ça ne rentre pas. Les couloirs, jouez davantage dans les couloirs. On est trop au milieu. Alors que ça, on a des boulevards sur les côtés pour justement avoir des centres et avoir des occasions justement de marquer de la tête ou en demi-volée. Et là, ça donne 2 buts. Voilà, on pose le jeu, on aère, on joue pas du même côté tout le temps.